Bonjour, c'est Abdoul. Je suis à l'Intercontinental de Marseille. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un acteur nommé Robinson Stevenin. Silence, on tourne. Il y a trois caméras, c'est une grosse production, c'est un truc. Marseille, sa production, une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Tu es un habitué de la région. Oui. Notamment avec 5 films avec Robert Guédidian, le grand cinéaste marseillais et tout. Pourquoi cet engouement pour cette région? Bah parce que déjà il y a des lumières qu'on n'a pas trop ailleurs. T'es à la fois dans l'urbanisme, à la fois dans au bord de l'eau. C'est la terre natale de Guédiguian, donc il imagine beaucoup de ses histoires ici. Les neiges du Kilimandjaro, Gloria Mundi. J'ai eu le grand bonheur de tourner un mois et demi à Méjean. On était en pleine lumière d'hiver, qui est quand même la plus belle pour filmer. Il n'y a pas de route au bout du petit Méjean. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc y a au bout de deux jours, tu vois une voiture arriver, tu fais oh c'est qui ça? La villa. Avec Ariane Ascaride d'ailleurs, voilà. Je crois que tu tombes amoureux d'elle, hein, c'est ça? Exactement. La séquence comment marin, on pas où tu es marin. Ouais, exactement. Je me souviens, tu lui fais un bisou même. Ah bah, tu sais que je suis jaloux. Hein. On fait, ouais. Hein, on fait un bisou. C'est un très, bisou, ouais. C'est moi, d'une manière très élégante. Un bisou d'Ariane. Ah bah ouais. Pratiquement la même séquence. Quoi, tu vas faire un bisou à Ariane? Bah ouais, y a alors. Tu te fades, hein. Je suis fou. Je t'ai monté en l'air. Il est relou lui, hein. C'est incroyable, hein. Ariane, Robert, toute l'équipe, on a retrouvé tout le monde. Et là, on est pour un film qui commence rue d'Aubagne. Le titre est La fête continue. Ah, c'est génial. Ah bah c'est trop top. Toujours le même cast? Ouais, l'histoire du film ne relate pas vraiment le drame. Mais pas que l'histoire d'Aubagne, c'est un point de départ. Mmh. Puis on va vers quelque chose de plus solaire au pied de la bonne mer. Il est génial ce garçon. Ton papa, qui est acteur, bien sûr, et réalisateur. Ouais. Est-ce qu'il est difficile d'être le fils d'eux? Bah, on n'a pas le choix. Ouais, bah oui, forcément. Donc tant mieux, puis c'est plutôt un mec super, donc merci papa. Le sens du cas, hein, c'est, ça s'invente pas. Tu vois. Adou fait son cinéma, voilà. Mais heureusement qu'il y a une équipe avec. Hein, absolument, bah écoute, comment juste... ça va, c'est pour Adou. La vie, ça se croise, ça bouge, ça chante, c'est une ville qui t'aspire. Mm-hmm. Là, et d'ailleurs, j'ai un truc à vous montrer un peu plus loin. Là, on est au cours Julien, c'est ça? Là où sa vie a fond. C'est génial ce Robinson parce que. C'est moi le Marseillais, mais c'est lui qui nous fait découvrir Marseille. Et tu as tourné récemment ici. On a tourné un peu plus bas, rue d'Aubagne. Ouais. Cette ville, elle t'aspire, elle respire, elle t'inspire. Allez, viens, on marche maintenant, coupe. J'ai un pote qui fait des chats partout. D'accord. Des énormes chats jaunes, joyeux. Un peu à l'instar de tout ce qu'on voit derrière nous, tu vois. Ça taque, ça dessine, ça pose son nom, son empreinte. Et les villes, elles vivent grâce à ça. Mais tu l'as vu, mon chat, à Marseille? Je dis, bah non, je l'ai pas vu. Où est-ce qu'il est? Rue des Trois Frères, donc c'est là qu'on va. Toi le chat, c'est pas moi le chat. Lui, c'est mon pote. Ça, c'est ma signature à moi. 75, 13, Marseille, Paris, Roby Marseille.